Footballeur et chauffeur de bus, le soir après le travail, Ousmane est milieu offensif dans son équipe. La journée, il est chauffeur de bus à la RATP. Ce grand gaillard de 27 ans conduit quotidiennement des centaines de passagers sur la ligne Argenteuil-La Défense. J'ai choisi parce que j'aime beaucoup conduire. J'aime déjà beaucoup la conduite. Et je suis quelqu'un de très sociable. J'aime le contact avec la clientèle. Donc je me suis dit que ce métier était fait pour moi. En rentrant à la régie, je savais un peu que je pourrais aller au foot. Ousmane a réussi à concilier passion pour le foot et métier grâce à des horaires souples. Quand il a des matchs, il peut échanger son planning avec celui d'un collègue. Il y a des collègues qui savent que je fais du foot, je pratique du football et il y en a beaucoup qui sont au courant que j'ai confiance dedans. Ils sont tous contents pour moi et ils espèrent qu'on va gagner. Pour préparer ce grand match, Ousmane se rend 3 fois par semaine au stade de Saint-Ouen-l'Aumône. Jacques Sabatini, l'entraîneur, apprécie comme les usagers de la RATP ses qualités humaines. Non, c'est quelqu'un qui est très agréable parce qu'il a toujours le sourire aux lèvres, il est rarement négatif. Et avec ce naturel optimiste, Ousmane se projette déjà dans la victoire. Ah, ça serait bien, si je pouvais marquer le premier but et qu'on gagne 1-0, je serais satisfait. Verdict samedi prochain à 17h au stade municipal de Saint-Leu.